Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Christine ACL. Eh bien, vous voyez aujourd'hui, c'est un nouveau décor. Eh bien, nous sommes près de la mer. Tout d'abord, je souhaite remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne depuis le début de mes vidéos. Et pour celles qui ne sont pas encore abonnées, eh bien, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Parce que là, je vais faire des vidéos un petit peu dehors. Et vous verrez un peu le paysage, surtout pour ceux qui sont dans le froid. Eh bien, ça pourrait vous faire du bien. Alors, comme indiqué dans la vidéo, je suis jalouse en amour. Oui, qui n'a jamais été jaloux ou jaloux? Celui qui n'a jamais été jaloux ou jaloux, qui lève la main ou le doigt, qui se fasse connaître. Eh bien, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et pour cause, nous sommes quasiment 100% à être jaloux. C'est très rare qu'une personne ne soit pas jalouse. Ça se mesure aux alentours de 0,000 quelque chose. Et quand on dit qu'il y a plein de personnes, il y a des personnes qui se disent ne pas être jaloux, c'est juste qu'ils ne le montrent pas. Mais la jalousie, on l'a tous en nous. Cette jalousie remonte à notre petite enfance, lorsque nous étions encore un bébé, un petit enfant, et notre maman nous cajolait, nous étions le centre d'intérêt de notre maman. Et du jour où nous voyons que notre maman s'intéresse à quelqu'un d'autre, à une autre personne, notre petit frère ou notre petite sœur, eh bien là, notre monde s'écroule, parce que nous voyons que nous ne sommes pas le centre du monde. Et oui, malheureusement, on aimerait. Et lorsqu'on grandit, lorsqu'on devient des adultes, eh bien, on rejette cet amour, cette jalousie sur la personne qui nous accompagne, notre compagnon ou notre compagne. On a tendance à croire que cette personne nous appartient, ce qui n'est pas le cas. Personne n'appartient à personne. Et nous avons tendance à croire aussi que si cette personne n'est plus avec nous, eh bien nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas vivre sans cette personne. Et non, mais avant de la connaître, cette personne, vous viviez. Alors, qu'est-ce que... Non, il y a des milliards de personnes sur cette terre. Pourquoi tu ne réussirais pas à vivre sans la personne avec laquelle tu vis aujourd'hui? Eh bien, il faut arrêter de se raconter des histoires. Donc la jalousie, c'est vrai, c'est pas quelque chose d'intéressant parce que ça peut pourrir le couple, ça te pourrit toi-même, ça te rend malade et ça rend malade la personne qui t'accompagne. Donc il faut essayer d'avoir, certes, on peut avoir de la jalousie, certes, parce que c'est tout à fait normal, mais il faut pas que ça devienne maladif, parce que la jalousie maladive, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas du tout la solution pour pouvoir avoir un couple heureux et en paix et dans le calme, en toute sérénité. Donc, on essaye le plus possible de repérer le fait qu'on soit jaloux et essayer justement de mépriser cette jalousie en restant calme, en se disant oui, effectivement, peut-être que je suis jalouse, je vais me calmer gentiment. On essaye, on se le dit à soi-même, je me calme. Je ne passe pas ma crise sur la personne qui m'accompagne et je vois, j'observe ce qui se passe. Voilà. Parfois on est jaloux pour une raison, c'est vrai. Il y a eu des femmes qui ont été jalouses et c'était fondé. Et des femmes ou des hommes, bien sûr. Mais parfois, je peux dire que la plupart du temps, on est jaloux ou jalouse pour rien. Et à quoi ça sert d'être jaloux ? Sur le moment, on est jaloux parce que notre conjoint regarde une autre ou qu'une autre regarde notre conjoint. Et alors, on n'a pas le droit de regarder aujourd'hui? On n'a pas le droit? Bah si, on a le droit. Donc, je suis un petit peu enjouée aujourd'hui parce que avec ce beau soleil, ça fait du bien de ressentir cette chaleur sur la peau. Alors tous ceux qui sont dans le froid là-bas, eh bien, je vous fais un clin d'œil et je vous envoie des beaux rayons de soleil.
Voilà, maintenant essayez de maîtriser votre jalousie en restant calme tout simplement. On reste calme, on observe. Bien sûr, nous ne sommes pas les seuls sur Terre. Il y a beaucoup d'autres personnes avec nous qui vivent sur cette Terre. Et bien sûr, si toi tu as plu à ton conjoint, eh bien éventuellement il y en aura une autre qui sera attirée par lui. Maintenant, il n'est pas assez grand ou elle n'est pas assez grande pour dire « je suis déjà en couple ». Pourquoi il faut que tu sois jalouse ? C'est à lui ou à elle de dire non. C'est pas à toi de te faire du mal et c'est pas à toi de faire du mal à ton conjoint à cause de ça. Donc voilà, maintenant j'espère que ma vidéo vous a plu. J'étais ravie de la faire près de la mer. Vous voyez comment c'est beau là. Oh là là. Et là, bah, le soleil il va se coucher bientôt en fait. Hein. Vous voyez là derrière? Alors merci d'avoir regardé ma vidéo. Franchement, j'étais vraiment ravie de faire cette vidéo dans ce cadre-là. Ça me fait du bien d'être au soleil. Alors moi, je vous envoie des rayons de soleil et moi, je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous. Allez, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. Ne serait-ce que pour le décor, hein, la mer derrière. Hein. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui se feront aussi à l'extérieur. Allez, je vous dis à bientôt !